Salut, donc là on se retrouve pour la partie 2. Donc là je vais me laver les cheveux, donc au robinet comme prévu. Voilà. Je vais les ouvrir directement. Parce que sinon après je vais avoir un petit peu de difficulté à les ouvrir quand ma tête sera en dessous de l'eau. Donc là c'est parti. Donc regardez, j'ai accroché la petite douchette au robinet. C'est assez sympa, je trouve. Regardez comment ça fonctionne. Je trouve que c'est assez sympatoche. Que le robinet est tout lavé. Hein. Il est propre, ma grand-mère l'a pas lavé. Donc c'est parti. Donc là je vais juste me mouiller les cheveux avec vous. Et donc je ferai la suite dans une autre partie. Oh là là, ça fait la première fois que je le fais toute seule en plus. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas partout sur la caméra. Parce qu'en plus je filme avec mon iPad, sachez-le. Voilà, donc là je lave en haut. J'espère que je ne mouille pas tout partout parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc là je vais arrêter l'eau et je vais me savonner les cheveux. Ça va, j'en mets plein partout dans moi là. Voilà. Voilà, on va faire un shampoing. Yves Rocher. Moi, je prends toujours du Yves Rocher pour mes cheveux, je préfère. En plus, ils font des très bons produits là-bas. Donc ça fait pour moi un petit peu bizarre parce que ça fait la première fois que je le fais tout seul. Moi je le fais toujours au-dessus d'une baignoire ou dans la baignoire, vous voyez. Donc ça me fait un petit peu bizarre. Donc voilà. Donc soit bah, je vais vous laisser là, je vais continuer à me doucher les cheveux, ou soit bah, vous restez avec moi tant que je les rince, mais je préférerais arrêter tant que je me les lave. C'était pour vous faire voir. Donc là, je vais me rincer les mains. C'était pour vous faire voir comment bah, ça se présentait, un truc comme ça. Donc j'ai toujours mes doigts mouillés, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me retrouvez dans l'autre partie. À tout à l'heure.